Moi, je m'appelle Liam, 15 ans, et j'habite dans 60 en Picardie. Je suis handicapé depuis peu. Enfin, ça se voit pas sur moi directement. Enfin, si, mais bref. Ça se voit pas trop. Alors, moi, c'est Nicole. J'habite Bourg-en-Vexin, au milieu des champs. Moi, c'est Hugo. Je suis née le 16 avril 2001 à Argenteuil. J'habite dans le 60 en Picardie. Je suis en troisième dans un collège spécialisé. Je suis en quatrième. Et j'ai plein d'amis. Et on rigole souvent. On a beaucoup d'activités ensemble, souvent jeux surtout. J'ai la particularité de bien aimer lire, mais j'adore les mangas surtout. Mais je suis pas trop roman. J'ai une grande passion dans la vie, c'est la céramique. La céramique, pour moi, c'est la liberté. Mes passe-temps, c'est les jeux vidéo, le cinéma et les dessins. J'aime beaucoup aussi les jeux vidéo. Depuis pas mal, depuis la 6e CM2, j'ai attaqué un jeu qui s'appelle Minecraft. Je suis tout le temps dessus. Ce que j'aime, c'est dans la vie, c'est la nature, la créativité, les oiseaux beaucoup. J'ai des muscles, je suis musclé. Tablette de chocolat. Donc ça c'est corps de rêve. Enfin bon, ça c'est ce qui devrait être à vrai. Mais bon, c'est pas vrai. En CM2, j'avais la particularité d'avoir une énorme touffe de cheveux, des cheveux super longs qui m'arrivaient jusqu'aux épaules, si bien que les gens se moquaient de moi en me disant que j'étais une fille. Je suis presque en sous-poids, mais ça tout le monde s'en fout. Donc j'ai encore perdu 3 kilos. Donc ça me fait. C'est pas trop cool, mais bon, bref. Après, quand je suis allée chez le coiffeur, j'ai arrêté de me faire embêter comme ça. J'aime les gens aussi. Et ça aussi, c'est très important. Je suis complètement persuadé qu'il y a toujours quelque chose à attirer de tout et de tout le monde. J'ai des ambitions, donc ébénisterie. Comme tous les gens de mon âge. Enfin, tout le monde ne le sait pas à cet âge-là. Vu que j'ai 15 ans. C'est une ambition que j'ai depuis la 5e. Et je pense que je vais continuer pour aller dans l'école de Saint-Quentin, dans l'école des arts, pour avoir mon DSA, diplôme supérieur des arts appliqués. Tout ça, bien sûr, si je guéris. Mais bon, c'est pas gagné. J'espère que je vais arriver jusqu'à avant la fin de l'année, donc juin. Donc voilà, j'ai à peu près expliqué ma vie. Ma vie. J'espère qu'on se reverra. Bonne journée. C'est tout. Alors, ça dure combien de temps?